Welcome to Kenshi. Ils sont beaux gosses, ils sont forts, ils ont l'air vraiment très futés. Ce sont les 4 fantastiques. Ou peut-être les 4 fantasques, ou les 4 mal formés. Je sais pas, j'ai pas encore pris ma décision. J'adore cette lune, elle me fait triper. À peine effrayante. Elle est horrible. On a à peine l'air suspicieux. Pour ça, ils ont déjà croisé un homme oiseau, un gros tas de gélatine sur pattes accompagné de 2 gars totalement déformés. Mais non, tout va bien dans le meilleur des mondes, messieurs les gardes, n'est-ce pas? Ok, premier objectif, trouver de la nourriture. Ensuite, se faire de l'argent par tous les moyens. Et qu'est-ce qui est capable de voler parmi tout cela? Furtivité, il n'y a pas de stats. Vol non plus. Là, c'est pareil. Vol, il a 9. Waouh. Ça va être Bob qui va voler. Il a furtivité, Cocorico. Cocorico toujours très très discret dans sa démarche. Il fait pas beaucoup de bruit en plus, je trouve. Hein. Non mais ça c'était au cas où la couleur de ses plumes passe inaperçue. Hein. Blob, montre-moi que tu es capable de voler des tas de choses. Un petit peu de nourriture, du carburant, une clé à molette. Patel. Kit de premier secours aussi, pas mal. Non mais what the fuck? Ils ont recruté Ray Charles en garde ou quoi? Putain, le gars est même pas foutu de nous voir à 2 mètres de lui. Oh non, 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 non. Pas le chien. Pas le chien. Non. Garde, à l'aide. Aïe. Aïe, les gardes, à l'aide. Je vous en prie, aïe. Cocorico, aïe, Cocorico, il a eu mal. C'est Minus qui va se faire attaquer. Cours, Minus, ça donne des bonus. Fallait que je trouve une rime en russe. Non, Minus, il est tombé comme un Airbus. Et maintenant, procédons à un petit lifting pour Cortex. On va lui refaire les jambes, je les trouve beaucoup trop grosses. C'est une créature horrible. Oh oui, là, il se la pète grave. Oh non, cette tronche, c'est génial. Ah oui, je l'aime bien comme ça. Et voilà le nouveau Cortex. Ah, il a perdu un peu de poids au niveau des jambes. Hein. Il s'est encore plus recroquevillé sur lui-même. Et il a surtout une très, très, très belle gueule. Hein. Il a pris la grosse tête surtout. Allez, Cortex. Ah oui, excellent, la course. Oh non, on dirait Gollum. C'est pas Cortex que j'aurais dû l'appeler, c'est Gollum celui-là. Ah mais qu'est-ce que c'est sérieux que cette créature. Oh non, c'est... Oh que c'est moche. Et il est temps pour nos 4 fantastiques de quitter la ville de Belette et de continuer notre traversée du désert vers Shobatai. Qui sait ce que l'avenir nous réservera? Un hors-la-loi de la nation sacrée. Excellent! On va lui parler. Avec Blob, je pense que ça lui fera pas plaisir. J'ai pas vu ses stats. Est-ce que vous sympathisez avec la Holy Nation? Je veux d'abord savoir s'il est l'un des leurs. Il y a la Holy Nation et je déteste la Holy Nation. Ils sont un tas de chouchottes qui n'ont pas les couilles pour se protéger efficacement. Alors je dis bienvenue l'ami. Ça te dérangerait si je me joignais à vous? Attention, prendre un hérétique va énerver la Holy Nation. Voulez-vous continuer avec ça? Bah pourquoi pas. Ok donc, ok. le mec nous rejoint comme ça, Kenton. Non mais je comprends pas. Il déteste la nation sacrée, mais il est habillé exactement comme eux. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce donc? Ce type-là est normal en plus, il y a un truc qui va pas là. On a des personnages qui ne ressemblent à rien, et là on a un mec qui a l'air déjà balèze, et qui ressemble à ça. Kenton, ça va être un tout petit, avec des bras de malade. Voilà. Il y a une grosse musculature du dos, hein. Enfin, une musculature un petit peu étrange je trouve. Des bras disproportionnés par rapport au reste du corps, hein. Bien que les jambes encore ça va, elles s'en sortent bien. Je pensais à autre chose à la base, mais on va l'appeler Joey Dalton.
Le plus petit frère et le plus méchant des Dalton. Ça lui va bien, je trouve. Allez, mesdames et messieurs, on dit bonjour à la nouvelle recrue, Joey Dalton. Il est tout petit. Oh, je kiffe. Il est minuscule. On dirait un gamin qui nous a rejoint. Un gamin hyper musclé. Oh. Alors, c'est quoi ses stats à lui? Oh, ça va, il est déjà pas mal. Et... Oh, oh. C'est déjà une brutasse pour nous, hein, Joey Dalton. Cool. On va peut-être pouvoir s'en sortir maintenant face à des ennemis. Allez, on continue de se balader dans le désert. On a une nouvelle recrue qui n'était vraiment pas prévue au programme. Je pensais qu'on devrait se battre contre lui. Mais non, Yotsa, il nous rejoint. Le petit dernier. Le petit Joey Dalton. Oh, attention, là, on croise des écumeurs. Ça, c'est pas très bon. Peut-être envoyer Joey sur l'écumeur. Et encore, je suis pas sûr qu'on le batte. What the fuck? Non, mais on a attaqué le pire écumeur qui soit. C'est pas possible. C'était celui qu'il fallait éviter. Blob, s'il prend trop de coups, il va mourir, lui, hein, direct. Non, mais on a le pire des écumeurs contre nous, là. Oh putain, on a Cocorico qui est tombé. C'est la catastrophe. Et Joey Dalton, il est parti se battre contre un autre écumeur. Non mais Joey, tu vas pas tenir là. Bob, qu'est-ce que tu fous? Bob, barre-toi, Bob. Bob, fous le camp vite tant que tu peux. Joey, bloque. Tu passes la pas. Minus, arrête-toi. Soigne ta jambe, Minus. C'est bien, Joey, tiens. Non, Bob. Il était en furtif. Oh là 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 là, mon dieu, cet abruti de Bob. Il s'est fait repérer. Bien sûr que tu vas retomber, Minus. Un de ces torgnoles, il tombe direct, les gars. Joe Dalton, c'est bon, tu regrettes pas de nous avoir rencontrés. Cocorico est mourant. Ok, on va perdre Cocorico. Donc, Bob, tu te dépêches. Cocorico va mourir sinon. C'est le Skimmer Alpha. Ok, j'ai vraiment bien choisi ma proie, moi. Je me suis attaqué à lui, c'était le pire choix possible. Ce désert est très dangereux au final, hein. C'était quoi ça? C'est un nouveau record mondial dans le lancer d'écumeur. Qu'est-ce qui se passe? Des chasseurs d'hommes, non. Bon, Cocorico est en esclavage, c'est pas grave. On va les laisser faire. De toute façon, je peux rien, hein. Je suis tout seul là avec Blob. Blob, va chercher l'alpha. Cours, Blob, te fais pas attaquer. Non! Aïe! Vite! Sur eux! Ouais, c'est bon, ils ont pris l'aggro. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Ils ont pris l'aggro, ça c'est bon pour nous. Non. Non. Non, 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 non. Minus qui fait un petit bond aussi. Non, 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 non. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi. Non, aïe, Bob. Survie, Bob. Aïe. Bob est mort. Survie, Bob. C'était cool de jouer avec Blob. Blob, c'est déjà terminé pour lui. On se demande si c'est pas un œil qu'il a lâché là. Ainsi continue l'histoire de nos nouveaux 4 fantastiques, nos 4 difformes, ce serait peut-être plus approprié. Allez, Cortez qui se fait, qui se prend une torgnole alors qu'il y est pour rien là, il a rien demandé. Allez, Cortez, encore une dans la tronche, elle est gratuite, elle est pour toi. Cortez au milieu de tout ça là, allez, Cortez est tout seul. Allez, on va tenter de fuir, vite. Les 3 futurs sauveurs de Cocorico qui sont en train de planifier son évasion. On sent que ça inspire du lourd là. Avec Joe Dalton, je trouve même qu'il a la classe finalement, notre petit guerrier hérétique. Le grand Minus qui est obligé de se baisser pour être à la même hauteur que les autres. Et encore, il est toujours plus grand. Et Cortex avec sa dégaine de hippie et sa posture à la Gollum. C'est n'importe nawak cette équipe. Ok, bah on va commencer par déverrouiller les chaînes, comme ça, ça se sera fait, et après on sera peut-être prêt pour ces... Ok.
Ah bah, s'ils veulent nous donner un coup de pouce et nous mettre déjà dehors, y a pas de souci. En plus, on peut continuer de retirer les chaînes. Ça leur pose aucun problème. Ok, pas de souci. Alors, on va faire un petit peu l'esclave obéissant. On va voir un petit peu où est-ce qu'on est, là. Où est-ce que je pars vers là-bas? Ok, la sortie, elle est juste là. Bon, bah, c'est bon. Je pense qu'on va pas traîner. On n'a plus qu'à jeter les chaînes et puis à foncer, hein, c'est tout, hein. Nickel, quoi. Ouais, bah, c'est parti, hein. Allez, on fonce, hein. Plus d'esclaves obéissants, on fuit. Plus de traces. Cocorico ! Oh ! Ils abandonnent déjà. Ils ont compris. Qui était la fusée ? Cocorico ! Wouhou ! Ils sont où, Minus Cortex, tout ça ? Ils sont là-bas. On va aller les rejoindre. Bon, on a perdu tout notre équipement. On n'a plus rien maintenant. Il va falloir repartir de zéro. Cocorico ! À l'attaque ! Il a déjà pris cher. Non mais... Il veut pas se battre, j'ai l'impression. Allez, Cortex, c'est bien. Oui. Non, allez, bam, Cocorico, déjà tombé. Joey Dalton, on compte sur toi. Tu ne prends pas de coups à la poitrine. Ok. On est mal barré. On l'a pas touché une seule fois. A few moments later. Ouais, on lui a fait un coup, c'est bien. Yes, deuxième coup. Tiens bon, Minus. Tiens bon, Minus. Allez. On peut se le faire à deux. On peut peut-être se le faire, hein. Faut être croyant, c'est tout. Bon, on est plus que un contre un. Non, Joey Dalton, elle revient. Allez, je compte sur toi, Joey Dalton. Je peux te rattraper de tout à l'heure sans vouloir te mettre de la pression sur les épaules, Joey. Yes, on se l'est fait. J'y crois pas. T'as réussi. Oh, on veut nous empêcher de nous balader tranquillement. Joe Dalton va prendre un coup derrière la tête. On se défend, qu'est-ce qu'il nous en veut encore? Outlaws avec une prime. Oh, attaque 75! On est mal barré là encore. On est très mal barré. La Minus, il va tomber là. Il saigne, il est mal en point la Minus. Ouh là 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 là. Allez Cortex, défends-toi. Vas-y, t'es le plus costaud Cortex. Tiens le coup. Fuis Cortex, fuis loin. On part peut-être la queue entre les jambes. Mais on a laissé nos deux couilles sur le terrain, Minus et Cocorico. Fuir pour mieux revenir. T'as l'état de vise, Cortex. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous volent, ils veulent nous prendre quoi? La nourriture peut-être? On va lui tendre un piège. Allez, suis-nous jusqu'à l'écumeur. À tout prix qu'il t'attaque. Allez, dépêche-toi. L'écumeur, il va pas tenir. Faut que le ninja prenne l'aggro. Non, il veut pas. Yes, c'est bon. Il est plus sur moi. Oh là là, on est mal en point, on a encore pris cher là. La Cortex est blessée aussi. J'ai l'impression qu'on s'est fait repérer. Mais qu'est-ce que ça fait là? Ils ont osé mettre le Léviathan dans le désert, j'y crois pas, c'est énorme. C'est plus aussi tranquille qu'avant? Oui, car je vous l'ai peut-être pas dit, mais on joue avec le mode Blood and Sand, donc qui regroupe en fait 300 modes. Voilà, rien que ça, c'était pour la petite surprise. Bon, le problème c'est qu'on n'a pas de lit, on n'a pas de tente, on n'a vraiment rien du tout. Je peux envoyer personne en ville. Foxy lui c'est bon, il a 1%. Il ressemble à un ancien esclave, 1%. On va peut-être laisser Cocorico derrière nous alors. Allez, on va essayer de se diriger vers Shobata histoire de se reposer quand même. Oh, comme c'est mignon, tu la chatouilleras derrière les oreilles pour moi, hein. Qu'est-ce que c'est que ce pervers, là? Mais c'est quoi ces dialogues? Bon, on a tout le monde au repos, on est arrivé dans la ville de Shobatai. Shobatai. Ah, on a toujours le petit point, ça c'est Mr. Blob. Oh, comme c'est magnifique, on le voit toujours.
pense qu'en fait, il épouse une forme aérodynamique, Cortex. Ou alors il va se casser la gueule dans le sable. Je sais pas, j'hésite en fait. Je pense que c'est un ninja des temps modernes. Voilà, c'est une nouvelle posture. Non mais c'est une blague, il y a aussi le roi des gorilles ici. Mais c'est quoi ce délire? Le désert, l'endroit le plus chaud du jeu. Et pas qu'à cause du soleil. En fait, avec ce mode, c'est quand t'as atteint les derniers niveaux que tu viens de te balader ici, dans le coin, hein? C'est-à-dire tout l'inverse de ce qu'on fait nous. Voilà. Il est temps pour nos 4 difformes de se faire un petit peu discret. On est encore ancien esclave. Alors 40 heures pour Cortex. Ça va 6 heures pour Minus. Cocorico 20 heures. Mais lui on peut le découvrir à 40%. Et Joe Dalton encore 7 heures. Et puis il est temps un petit peu de... Eh bien de chercher à s'enrichir. On peut farmer l'or, c'est génial. Ça change. Donc il y a toujours le cuivre, il y a toujours le fer, mais il y a l'or aussi. On a déjà récupéré pas mal sur Cocorico. À 240, on va se faire un petit peu des sous. J'ai l'impression qu'elle a des carrés aux dents devant. Juste là, toujours un petit truc bizarre. Un défaut, un artefact, j'en sais rien. Allez, on farm, on farm, on farm, on farm. Allez, on farm, on farm, on farm, on farm. Maître, maître, écoutez-moi. C'est un lieu bien dangereux ici. Vous avez besoin d'une escorte. Je me nomme Maître Koteshi et j'ai l'œil avisé. Je remarque que tu es un très beau guerrier. Je t'engage sur le champ pour m'escorter jusqu'à la ville qui est juste derrière cette dune. Là, oui, voilà. Et je te paierai ton or, mon garde. Va donc t'abreuver. Quant à moi, je serai chambre 25, deuxième étage, première porte à gauche. Je porterai des talons aiguilles. Demande Roberta si tu me cherches.